Cette spectaculaire tempête de sable a été filmée au Niger début 2016. Les tempêtes de sable sèment la mort et la destruction dans de nombreuses régions désertiques. Elles surviennent lorsque la basse atmosphère au-dessus du désert est rendue instable par de l'air extrêmement chaud, ce qui engendre des vents violents, capables de soulever d'énormes quantités de sable meuble. Les tempêtes de sable et de poussière peuvent survenir brutalement et prendre les populations au dépourvu. Le fait d'inhaler de petites particules de sable et de poussière peut provoquer de graves problèmes respiratoires, sans compter les risques de stress cardiaque et d'infection oculaire. Fort heureusement, la qualité des prévisions ne cesse de s'améliorer. Le Centre de prévision de la poussière atmosphérique de Barcelone utilise des observations, des superordinateurs et des modèles perfectionnés et fait appel à des météorologues spécialisés pour fournir des prévisions de tempêtes de sable et de poussière pour l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient et l'Europe. Établies 72 heures à l'avance, ces prévisions s'adressent aux autorités locales et nationales. Mineral dust has an important impact on air quality and human health, the environment and different sectors of the economy. To deal with it, World Meteorological Organization launched the Sun and Dust Storm Warning Advisory and Assessment System with the mission to enhance the ability of countries to deliver to end users dust observations, forecasts, information and knowledge on airborne dust. This system is organized around regional centers. Il est parfois encore difficile de diffuser en temps opportun, sur la base des prévisions disponibles, des alertes qui soient utiles à des populations isolées et vulnérables. Les services météorologiques, sanitaires et d'intervention d'urgence se doivent de collaborer plus étroitement à l'échelon national. Nombre d'organismes locaux et nationaux ont par ailleurs besoin d'équipements, d'infrastructures et de programmes de formation mieux adaptés. I think the international community should work with national and local organizations to be able to do this work effectively. They may be able, apart from providing the information and making sure they have the information, perhaps also help with training. Show them the best examples, how successful countries get this information disseminated. The international community can help with resources, can help with training, and can show them the best working models. En Chine et en Mongolie, le désert de Gobi connaît lui aussi de grandes tempêtes de sable et de poussière. Les pays d'Asie collaborent par le biais d'un centre régional créé sous les auspices de l'Organisation météorologique mondiale et chargé d'établir et de diffuser des prévisions à des fins de prévention. 沙尘暴对亚洲的各国影响都非常大。那么增强呢亚洲各国的有关沙尘暴的预报的能力是非常重要的，它对于沙尘暴的灾害的防治有着非常重要的作用。 亚洲的节点是 WMO-SDS-WAS，就叫 WMO 沙尘暴预警咨询系统首批建立的两个节点的之一。而且我们亚洲的这个节点呢是非常的活跃，而且我们已经做了大量的工作。我们和其他的节点一起来完成 WMO-SDS-WAS 的使命，它有各项的活动。 Les tempêtes de sable ne touchent pas seulement les populations riveraines. La poussière soulevée dans un désert par une tempête de sable peut parcourir des centaines, voire des milliers de kilomètres, causant des affections respiratoires et d'autres problèmes de santé dans des pays éloignés. Par ailleurs, les tempêtes de sable ne cessent de prendre des formes différentes, ce qui complique la tâche des prévisionnistes. Il semblerait que ces tempêtes deviennent plus violentes sous l'effet des changements climatiques, qui aurait aussi une incidence sur leur fréquence et leur distribution régionale. Dans maintes régions arides, la détérioration des sols, c'est-à-dire la désertification, laisse chaque fois plus de sable à découvert. Dans les années à venir, face à la nature fluctuante des tempêtes de sable et de poussière, une collaboration interinstitution plus étroite sera nécessaire, notamment pour instaurer des programmes de renforcement des capacités plus ambitieux. It's unconscionable that information that could help
the health of the people, information that can help them protect themselves and take measures to prevent the type of respiratory and asthmatic diseases that we are discussing here is not made available to them. And all that it requires is limited resources, not big sums, to do that. And I would urge that all measures be taken to get it done. The poor also deserve to protect their health.